Bonjour, bienvenue à tous. Tout compte fait s'intéresse aujourd'hui aux nouveaux aliments qu'on trouve dans nos supermarchés et nos rayons. Viande végétarienne, poulet modifié ou encore insectes. Le contenu de nos assiettes évolue, ça n'est plus de la science-fiction. Révolution en cuisine, c'est le thème de ce 11e numéro de Tout compte fait. Avec 40 grillons, vous allez avoir l'équivalent d'une portion de viande. C'est bon, ça change des chips et des cacahuètes. Le gros avantage des insectes, c'est que leur production va polluer jusqu'à 100 fois moins que la production de viande traditionnelle. Pour comparer, en plein champ, la roquette mettrait 2 à 3 mois pour pousser. Ici, c'est 2 à 3 semaines. On s'est rendu compte que Dame Nature et même le soleil n'étaient vraiment pas efficaces. Ici, on peut cultiver toute l'année avec une qualité incroyable. Je suis assez fan des compléments alimentaires. C'est assez efficace. La gelée, c'est un produit très fragile, beaucoup plus fragile que le miel. Et ça, ça vaut entre 20 et 25 euros. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis peu, de nouveaux aliments ont fait leur apparition dans nos rayons ou dans ces grandes surfaces pour professionnels, la viande par exemple. Alors que les experts alertent sur la surconsommation et ses dangers pour la santé, eh bien des industriels ont mis au point des substituts plus vrais que nature. Des nuggets sans poulet, des steaks sans viande et même, regardez, ces petits insectes qui se consomment désormais à toutes les sauces. Alors que valent ces nouveaux produits? Comment sont-ils fabriqués? Et à quel prix? Enquête signée Vincent Lepreux. Aujourd'hui, les 250 enfants de cette école parisienne ne vont pas faire la grimace au moment de passer à table. Car au menu, il y a des nuggets. Mais ce ne sont pas des nuggets normaux. Dans cela, il n'y a pas de poulet, juste du froment, des petits pois et des pois chiches. Et les enfants vont jouer les cobayes. Le test ici est très important. C'est lui qui a manigancé tout ça, Philippe Comte. Il se fait appeler le boucher végétarien. Il commence par faire goûter ses nuggets sans poulet au maire du 13e arrondissement. Je trouve ça bon. Cela fait des années que les cantines scolaires essayent de baisser la consommation de viande. Si les nuggets sans poulet de Philippe plaisent, il risque d'avoir pas mal de clients intéressés. Les plus petits tombent dans le panneau. C'est des nuggets à quoi? T'es sûr? Ils sont trop bonnes. J'ai goûté, puis j'ai aimé. Et puis j'en ai eu deux fois. Chez les plus grands, c'est un peu plus compliqué. Ces nuggets ne ressemblent pas à ceux qu'ils trouvent dans leur fast-food préféré. Et la pilule est plus dure à avaler. Ça se voit que c'est pas de la vraie viande. Bah, ça change. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Bah, ça va. Ouais. Mais j'aime bien la viande aussi. Fin du service, les assiettes sont presque vides. C'est très positif. Ça prouve que ces générations, si on leur apprend à pouvoir avoir une alternative à la viande, eh bien, ils ne seront pas obligés, de par l'ensemble de leur existence, de pouvoir consommer de la viande. Et ça, c'est très positif. Cela fait des années que notre surconsommation de viande est pointée du doigt. Récemment, la viande rouge a été placée sur la liste des produits probablement cancérigènes par l'OMS. En fait, cela fait très longtemps qu'elle est accusée de polluer la planète, de détruire la couche d'ozone. Alors pourrait-on imaginer un monde sans viande? Il y a quelques années, une telle question n'était prise au sérieux que par quelques individus, les végétariens. Eux arrivaient à s'en passer en remplaçant la viande par des végétaux, comme le tofu. Mais la donne a changé, et aujourd'hui, il n'y a pas que les végétariens qui diminuent leur consommation de viande. Alors depuis quelques années, de nouvelles solutions sont apparues. Des produits végétaux imitant le goût et l'aspect de la viande, mais aussi des préparations à base d'insectes riches en protéines. D'après les spécialistes, dans quelques décennies, le marché des substituts de viande pèsera plusieurs dizaines de milliards d'euros en Europe. Et si le futur, c'était cela? De la charcuterie sans cochon, des bouchées de poisson aux grillons ou même des macarons aux insectes. Bienvenue dans le 21e siècle. À Toulouse, dans la famille Anaori, c'est Emmanuel qui fait les courses. Depuis quelques années, la famille a décidé de manger mieux. Alors, il n'achète quasiment plus rien au supermarché. Sur les étals, il veille à équilibrer son menu du soir. Fruits, légumes, mais aussi des noix et des olives.
Le tout le plus local possible. Si on achète des carottes, il vaut mieux que ce soit du coin que ce soit d'Espagne ou d'ailleurs, quoi. Donc, plus savoureux. Mais le plus grand changement dans la famille, c'est côté viande. Chez Emmanuel, c'est désormais une à deux fois par semaine maximum. Alors, par quoi on remplace ? Bon, il y a déjà tout ce qui est fruits et légumes. Du poisson, on va alterner aussi parfois avec des œufs. Et après, si on veut des protéines animales, vous avez tous les fromages, vous avez tous les laitages, donc voilà. Dans son supermarché bio, il trouve facilement des produits de substitution, le plus souvent à base de soja, comme les galettes de tofu. Pour les végétariens, c'est le principal substitut à la viande. Soja, tofu. Alors, le tofu, je trouve que c'est un petit peu fade. Enfin, à mon goût. Bon, après, s'il est bien, s'il est bien assaisonné, pourquoi pas. Mais en soi, c'est vrai que je trouve ça un peu fade. Voilà. C'est pour les consommateurs comme lui qu'on trouve désormais des produits qui ressemblent à de la viande, mais qui n'en contiennent pas. Les professionnels les appellent des simili-carnés. Ils imitent le steak, les saucisses ou même le pâté. Voilà, qui sont des bouchées méditerranéennes où il n'y a vraiment que des légumes, souvent à base de pois chiches d'ailleurs. De retour à la maison, la famille va donc consommer un repas sans aucune trace de viande. Effectivement, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, mais ça manque pas en fait. Ça manque pas. De la salade, des carottes au cumin, du houmous, et aussi les petites boulettes qui font penser à des boulettes de viande. Pour Edith comme pour Emmanuel, c'est amplement suffisant. Ce sont eux qui ont décidé de réduire leur consommation de viande. Mais leur fils Élie, 15 ans, a encore du mal avec ça. J'en veux pas. Attends, je les ai faites avec amour. Ouais, d'accord. Dans la famille Anaori, la viande, ou plutôt l'absence de viande, c'est un débat régulier. Je ne pense pas à manger de viande. Je ne suis pas attirée, en fait, par la viande. Par contre, c'est sûr que si aujourd'hui, on devait tous manger de la viande, comme le font par exemple les Nord-Américains, il faudrait plus d'une planète. Et c'est là où on se dit, il y a quelque chose qui bloque. Des considérations écologistes un peu loin d'Élie, qui adore la viande. Alors l'adolescent se rattrape comme il peut. On n'en mange pas énormément ici, mais je me rattrape au lycée. C'est bon la viande, hein. Moi je pourrais en manger tous les jours. Ce soir, il va finalement manger des pommes de terre et les fameuses boulettes végétales. Ces viandes sans viande qui séduisent de plus en plus de Français, comment sont-elles fabriquées ? En France, le principal producteur de produits végétaux ressemblant à de la viande est installé dans les Alpes de Haute-Provence. Il faut se rendre à Reveste-du-Bion dans le Luberon pour en savoir un peu plus sur ces produits nouvelle génération. Ici, auparavant, on fabriquait exclusivement du tofu pour les végétariens. Un aliment un peu austère, à base de soja. Mais depuis quelques années, pour satisfaire un public moins militant, l'entreprise est passée à la fausse viande. Vous voyez, donc c'est un mélange de tofu, protéines, épices, tomates et légumes. Voilà. Pour une préparation à base de pâtes, c'est très bien. Vous voulez faire des lasagnes, c'est très très bien aussi. Voilà, ça ressemble à de la viande hachée sur celui-là. Mais on a aussi la gamme des steaks. Et voici le produit star. Des protéines de soja, du tofu, des épices pour le goût et de la betterave pour la couleur. À la fin, on obtient quelque chose qui ressemble presque à un steak haché. En moins d'un an, ces nouveaux produits ont dopé le chiffre d'affaires de cette petite PME. Les steaks et le haché bolognaise font partie de nos 5 meilleurs vendus, sachant que c'est un produit qu'on a sorti juste l'année dernière. Depuis 5 ans, le marché a triplé en France, alors l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Cet après-midi, l'équipe teste de nouvelles recettes. Un haché au pistou, un steak moutarde à l'ancienne. Presque un an de travail pour en arriver là. Je pense qu'on a dû faire une dizaine d'essais peut-être. Après 10 essais, un an de travail, les deux recettes de faux bœuf peuvent être mises en vente. Reste à goûter 3 fausses charcuteries. On est encore loin de l'aspect du salami et niveau goût, les recettes ne font pas l'unanimité. Bon, la machine est 3.
entre 2 et 3 sur 5. Il pique un peu à la fin. C'est largement insuffisant pour séduire les habitués de la vraie charcuterie. Je préfère l'autre. Ça fait pourtant un bon moment qu'on y travaille. C'est difficile, donc on voit qu'on a encore du chemin, et on est loin d'encore de le commercialiser. Pourtant, c'était l'objectif de cette fin d'année. Pour Joël Pichon, le directeur, c'est une vraie déception. La charcuterie, c'est le marché à attaquer. L'OMS l'a classé comme produit peut-être cancérigène. Un marché de 6 milliards d'euros par an en France. Mais pour s'engouffrer dans la brèche, il faut que leur produit ait du goût. Bientôt. On va y arriver. Voilà. On préfère pas encore dire de date précise. Voilà. On n'est pas au point. D'autant que dans la bataille pour prendre la place de la viande, ils ont un concurrent très sérieux. Ce soir, dans un bar branché du 18e arrondissement de Paris, il y a un apéro un peu spécial. Pas de cacahuètes, pas de saucissons, mais des grillons, des criquets et des verres de farine. Assaisonné ou non, à déguster tel quel. Ce sont des grillons goût barbecue et oignons fumés. Les réactions sont plutôt mitigées. C'est bon, ça change des chips et des cacahuètes. Non, c'est pas mal. En fait, il faut réussir franchement, c'est trop bon, à passer la barrière psychologique. Dieu, mais non, mon Dieu. Vous allez voir, vous allez être surprise. Mais c'est psychologique, hein. J'en doute pas, ça doit être très bon, mais barrière, c'est dans la tête. Hein. Ça me dégoûte, hein, au plus haut point, je vous jure, vous me torturez là, c'est terrible. Et puis finalement... Bon, c'est pas mauvais, hein. Je vais boire une gorgée. Non, c'est vrai que c'est étonnant, on dirait que c'est soufflé. Jiminy's, la start-up qui organise la soirée, a réussi son coup. Oui, je les ai goûtés, j'ai adoré. J'ai l'impression de me faire moins mal qu'avec des cacahuètes, quoi. Moi, je voudrais une boîte. Et ça vaut combien ? Même à 7 euros les 18 grammes, les boîtes partent comme des petits pains. Si c'est si cher, c'est parce que l'élevage d'insectes comestibles est encore une activité assez confidentielle. Au pays du foie gras et de la saucisse, au sud de Toulouse, un peu perdu dans une zone artisanale, nous sommes chez le leader français des insectes comestibles, une société créée il y a 3 ans. Et ce ne sont pas des cigales que nous entendons, mais des grillons, l'une des 2 espèces d'insectes élevées ici. Donc, tous les bacs que vous voyez ici sont des bacs dans lesquels on a recréé un écosystème pour permettre aux grillons de se développer au mieux. Alors avec 40 grillons, vous allez avoir l'équivalent d'une portion de viande. Et donc là, dans une pièce comme celle-ci, on va produire plusieurs milliers de steaks chaque semaine. Le gros avantage des insectes, c'est que leur production va polluer jusqu'à 100 fois moins que la production de viande traditionnelle. C'est pour cette raison que de nombreux chercheurs présentent l'insecte comme l'alternative à la viande. Pour l'élever, il faut beaucoup moins de place. Et contrairement au bœuf et au poulet, l'insecte adore être serré avec ses petits camarades. Si on compare la production de ces insectes par rapport à la production de poulet ou de porc, on va avoir besoin de 3 fois moins de surface au sol pour pouvoir produire une quantité identique de nutriments. Et aussi, un des autres avantages de cet élevage, c'est que notamment ces larves aiment être élevées avec une forte densité. L'entreprise toulousaine est la seule en France à gérer toute la chaîne de la reproduction à la transformation. Une tonne d'insectes comestibles sortent de ces locaux chaque mois, sous diverses formes. Insectes nature pour remplacer les lardons ou la viande, produits apéritifs, barres énergétiques, mais aussi aliments du quotidien. Donc ce sont des torsades classiques, sauf qu'on a rajouté de la poudre d'insectes à l'intérieur. Et donc l'avantage, c'est qu'on va avoir un produit qui va être aussi simple à cuisiner et à consommer que des pâtes alimentaires classiques, sauf qu'à l'intérieur, on va avoir les bienfaits nutritionnels des insectes et on n'aura pas besoin de rajouter une portion de viande ou de poisson pour avoir un plat équilibré, parce qu'on a déjà un produit qui est riche en protéines. Cédric peut passer pour un original. Il n'empêche sa start-up toulousaine à lever 1,5 million d'euros cet été pour développer son business.
Il vend désormais ses bestioles un peu partout en France. Épicerie fine, restaurateur, supermarché. Mais vous allez voir que ces insectes pourraient se retrouver plus vite que prévu dans nos assiettes. Cet après-midi, rendez-vous chez l'un des principaux traiteurs de la région toulousaine. Le chef travaille avec les plus grosses entreprises pour des cocktails, des mariages et des soirées privées. Et il aimerait bien leur proposer des insectes à l'avenir. Il a préparé toute une série d'amuse-bouches. On est très loin des pâtes à la poudre d'insectes. Alors là, aujourd'hui, c'est la première fois que sur toutes les préparations, vous voyez, on insère des insectes dans les préparations. On ne l'a jamais fait auparavant. Un bloc de foie gras parsemé de vers et de grillons, c'est assez osé. On est au bord du crime de lèse-majesté. On n'a plus peur de rien. On travaille cette recette avec des sésames, des fruits secs torréfiés. Et puis là, on s'est dit que pourquoi pas, on pourrait amener une touche un peu plus originale. Cédric, lui, est aux anges. Je suis assez émerveillé de voir nos produits rester d'une manière aussi esthétique et graphique. C'est assez émouvant pour le producteur que je suis. Pour l'instant, le marché des insectes comestibles ne représente que quelques millions d'euros en Europe. Mais d'ici à 20 ans, il devrait peser plus de 30 milliards de dollars dans le monde. Trois, deuxième. L'alimentation de demain, c'est aussi produire autrement et plus rapidement. Imaginez maintenant si chacun pouvait cultiver ses fruits, ses légumes sur son toit ou devant sa porte. Eh bien, le procédé né aux États-Unis est en train d'arriver dans nos villes. Les récoltes ne se font plus dans les champs, mais au pied des immeubles. À New York, des salades poussent même le long des tours, sans terre et sans soleil. Ce que vous allez découvrir annonce peut-être un nouveau monde. Grand reportage sur ces fermes qui s'invitent dans le cœur des villes avec Sylvain Rocher et Édouard Bailly. Johan Hubert habite et travaille en plein Paris. Et pourtant, vu son métier, il n'a rien à faire ici. Il devrait plutôt être à la campagne. Bon, eh bien, on va sur l'exploitation. Son exploitation. Johan est agriculteur. Il fait partie de cette nouvelle génération de paysans qui est en train de révolutionner, de repenser l'agriculture tout entière et qui va à rebours des idées reçues. C'est un petit peu la vie particulière d'un agriculteur urbain. On n'enfile pas les bottes et on prend pas le tracteur, mais on prend plutôt ses baskets et le métro. Johan a compris qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des hectares et des hectares pour faire pousser des fruits et légumes. Sa ferme est à quelques stations de métro de chez lui, au beau milieu de la capitale. Son champ se trouve sur les toits d'un grand magasin parisien. Nous voilà au 10e étage de la galerie Lafayette, avec une magnifique vue sur Paris, avec la tour Eiffel qui commence à briller avec le soleil. Et on arrive sur l'exploitation maraîchère. Plus de 1000 mètres carrés de plantes en tout genre. Tomates, framboises, des fleurs comestibles ou encore des courges. Ici, Johan peut faire pousser n'importe quoi. Alors à Caen, des fermes partout, sur les toits inoccupés de nos grandes villes. À l'heure où les terres cultivables se raréfient, que l'on fait faire des milliers de kilomètres aux produits avant qu'ils se retrouvent dans nos assiettes, certains sont déjà en train d'inventer la ferme de demain. Ils arrivent à faire pousser des légumes à vitesse grand V sans terre et même sans soleil. Partout dans le monde, ces nouvelles méthodes de production au rendement exceptionnel commencent à voir le jour, à Singapour en France ou encore aux États-Unis. Qui sont ces agriculteurs 3.0 et que valent ces fruits et légumes ? Johan Hubert a commencé à installer sa petite ferme urbaine en plein Paris il y a un an. Et les résultats sont déjà remarquables. Une tonne de fraises récoltées, 500 kilos de tomates pour la première année. Alors là, on est sur un merveilleux thym des garrigues. Alors c'est dommage, la caméra ne peut pas sentir, mais si on descend un tout petit peu du thym et on se retrouve au niveau du tagette, tac, on va s'arrêter sur une framboise, comme par hasard. On oublie qu'on est à Paris ? Ah bah, tout dépend de quel côté on se tourne. Si on regarde le jardin, effectivement, on a du mal à imaginer qu'on est à Paris. Puis si on se retourne dans l'autre sens, effectivement, on voit qu'on est dans une ville qui est absolument fabuleuse. Johan inspecte ce qui devrait être sa dernière récolte de tomates cerises avant le printemps prochain. Et pourtant, nous sommes en plein mois de novembre. Rien d'étonnant d'après lui. En ville, il fait toujours plus chaud.
Deux raisons pour lesquelles on a encore des tomates en plein mois de novembre. La première, c'est qu'on est à Paris, donc le climat est relativement doux. Et on a aussi quand même l'impact des effets d'îlots de chaleur, hein, donc l'augmentation des températures des villes qui ont effectivement un impact sur la culture des végétaux puisque ça allonge un petit peu la saison. Donc on a à peu près 2 à 3 degrés supplémentaires par rapport à la campagne et ça fait une petite différence sur la culture des plantes, effectivement. Le tour de force de Johan, c'est surtout d'avoir mis au point un moyen révolutionnaire pour faire pousser ses tomates. Car monter 250 tonnes de terre à plus de 60 mètres de haut, c'était non seulement impossible, mais surtout la toiture n'aurait jamais supporté un tel poids. Il a donc dû innover et imaginer un système capable de se passer de terre. On met en place ce support organique, donc qui fait de laine de mouton et de chanvre, qui va permettre en fait de créer de la terre, c'est-à-dire c'est le prémisse de l'humus. C'est-à-dire qu'en développant les micro-organismes et en étant sur un support extrêmement léger, on va reproduire un écosystème naturel proche de celui qui se passe en pleine terre. Je me suis beaucoup inspiré de la nature, donc je n'ai pas la prétention d'avoir inventé la vie. Mais avec la pollution parisienne, une question se pose. Ces légumes sont-ils sains? Sylvain nous assure les faire analyser régulièrement. Et d'après lui, aucune trace de polluant n'aurait été décelée depuis un an. Et d'ailleurs, pour nous prouver qu'on ne risque rien à les manger... Anna, pour Sylvain aujourd'hui, l'idée c'est quand même de lui apporter le maximum de diversité sur les fleurs. Pareil pour les fraises et puis les tomates aussi. Pour l'instant, c'est juste une expérience menée avec la ville de Paris. Mais Johan, qui a monté sa société et qui a même pu embaucher une personne, rêve de bâtir un peu partout des fermes de ce genre. Donc là, on est en train de préparer la récolte à la fois pour notre labo, pour les produits les plus mûrs, et puis pour ceux qui sont encore juste à point pour être consommés, on les prépare pour les restaurateurs. Les fruits et légumes ne sont pas à vendre. Seule une poignée de chefs parisiens a la chance de pouvoir les cuisiner. Tu me passes les dernières fraises et puis on... Ouais. Puis j'y vais parce que sinon, Sylvain va m'attendre et on va arriver un petit peu tard pour le début du service. Et voilà. Aujourd'hui, Johan a rendez-vous avec Sylvain Sandra, une étoile au guide Michelin. Salut Sylvain. Salut. Ça va? Ça va bien. Bon alors aujourd'hui, je t'ai apporté quelques produits un peu frais du jardin puisque on commence à récolter nos poivrons et nos piments. D'accord. Alors on a aussi quelques des framboises d'automne. Oh. Ouais. Bon alors je t'ai amené aussi une courge. De plus en plus de chefs cuisiniers recherchent des produits très frais qui n'ont pas passé des jours dans les transports et des heures dans les frigos. C'est vrai que cette production-là, elle est hyper intéressante parce que voilà, elle est juste au bout de la rue. Et ça, c'est exceptionnel. Difficile de produire plus près. Ce jour-là, les fraises, la menthe ou encore les piments sont jugés bons pour le service. C'est la tomate cerise qui fait débat. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Ouais. Elles étaient vertes, celles-ci, il y a un mois, donc elles n'ont pas pris trop de soleil non plus, mais... C'est très bonne, celle-là. Ben ouais, c'est ça. Finalement, les tomates de Johan aussi seront à la carte. Si en France, ces nouvelles façons de produire en sont encore à la phase test, d'autres sont passées à la phase production depuis très longtemps. De l'autre côté de l'Atlantique, cela fait déjà plus de 10 ans qu'on s'intéresse aux fermes urbaines. À New York et dans sa région, le concept a été poussé à l'extrême et les résultats obtenus défient toutes les lois de l'agriculture. Marc Oshima n'a rien du gentleman farmer. Il a fait toute sa carrière dans le marketing chez Toys R Us et L'Oréal. Aujourd'hui, il est dans la salade parce qu'il le sent bien. En fait, ici, c'est un ancien hangar à paintball. Notre truc, c'est de récupérer des espaces abandonnés et d'y faire pousser plein de salades. Un hangar fermé. Aérofarm, la société qu'il a cofondée, fait encore plus fort que le français Johan Hubert. Leurs légumes n'ont pas besoin de terre pour pousser. Et ils n'ont pas besoin de soleil pour mûrir. On doit porter une charlotte. Et on doit mettre des gants aussi. On se croirait plus dans un labo que dans un champ. Le mardi, ici, c'est le jour des semences. Et le geste d'Oliver n'a rien d'ancestral. Ce sont des graines. Elles vont aller directement dans les structures derrière moi. Là, je m'assure que toutes les graines soient assez hydratées. Comme ça, elles pourront germer tranquillement. À l'école, nous avons tous appris à faire germer des graines sur du coton humide. C'est le même principe, mais sur du plastique recyclé, taille XXL. Ici, pas besoin d'une parcelle immense, il faut de la hauteur sous plafond, c'est ça les fermes verticales.
30 tonnes de salade sortent de cette usine chaque année. Cela nous permet d'avoir plus de productivité au mètre carré, 75 fois plus que dans un champ et 10 fois plus que dans une serre. Marc et ses deux associés ont injecté plusieurs millions de dollars dans l'histoire. Et une chose nous surprend, ils disent faire pousser 250 variétés de légumes différents et pourtant nous ne voyons que de la salade. On pourrait faire pousser n'importe quel légume, des tomates, des concombres, mais on préfère se concentrer sur les légumes feuilles. Pourquoi ? Parce qu'ils poussent plus vite. Non seulement la récolte est rapide, mais en plus ça ne prend pas de place et on peut en empiler beaucoup. L'idée c'est quand même d'avoir une entreprise rentable et compétitive avec l'agriculture classique. Les feuilles vertes poussent plus vite, et les billets verts aussi. Par mesure d'hygiène, on nous dit que nous n'avons pas le droit de nous approcher des cultures. Pour nous expliquer comment ces salades poussent sans terre et sans soleil, Marc accepte de nous emmener dans son labo. C'est ici qu'on teste nos cultures. C'est une ancienne boîte de nuit. On a même laissé la boule à facettes. Sur l'ancienne piste de danse, des nouvelles variétés de salades sont espionnées jour et nuit. C'est la lumière artificielle qui fait croître et mûrir les légumes. Des milliers de lampes LED qui fonctionnent 24 heures sur 24. D'après Marc, le soleil ne pourrait pas rivaliser avec elle. On s'est rendu compte que Dame Nature et même le soleil n'étaient vraiment pas efficaces. Un coup, il y a trop de soleil, un coup, pas assez. Ici, on peut cultiver toute l'année, avec une qualité incroyable, en donnant aux plantes exactement ce qu'elles demandent. Seul problème, cette technologie réclame beaucoup d'électricité. C'est pour cette raison que le prix de ces salades est très élevé pour l'instant, entre 3 et 4 dollars pièce. Si ces salades sont très énergivores, en revanche, elles auraient besoin de beaucoup moins d'eau. En moyenne, l'aéroponie consomme 95% d'eau en moins, comparé à l'agriculture classique. Grâce à une brume chargée en nutriments, qui se dépose sur les racines. Ici, nous avons de la roquette. Elle est là depuis une semaine à peu près. On se rapproche de la récolte. Celle-ci est déjà prête. C'est très bon. Incroyable. Ces salades ont à peine une semaine et on dirait qu'elles ont un mois. De la lumière non-stop, de l'eau en petite quantité mais placée juste au bon endroit, un savant dosage qui permet de faire pousser les salades à vitesse grand V. Pour comparer, en plein champ, la roquette mettrait 2 à 3 mois pour pousser. Ici, c'est 2 à 3 semaines. Nous, on pense en nombre de récoltes par année. Ici, en cultivant à l'intérieur, on peut faire jusqu'à 30 récoltes par an. En plein champ, on ferait quoi ? Une, deux récoltes maximum ? Marc et ses équipes jouent aux apprentis sorciers. Alors, toutes les semaines... Bon alors, qu'est-ce qu'on a ? Il faut tester la qualité des produits. Alors, en premier, on a un joli mélange de laitue, de belles feuilles bien jeunes. Là, on se met à la place du consommateur. On teste nos produits toutes les semaines pour être sûr d'avoir le bon goût et la bonne texture. J'adore cette variété-là. C'est vraiment un bon mélange. Pour Marc, ces salades prêtes à être vendues n'auraient rien à envier aux salades qui poussent dans les champs. Nous avons préféré vérifier par nous-mêmes. Anna est française. Alors, voyons voir ce qu'il y a au marché aujourd'hui. Elle habite à Manhattan depuis plus de 25 ans. Pour elle, comme pour beaucoup de New-Yorkais, manger sain et local est devenu une priorité. On a même inventé un nouveau mot pour désigner ses consommateurs, les locavores. Hello, how are you? Pour Anna, acheter une salade qui aurait parcouru plus de 50 km, c'est inconcevable. C'est très important que ça soit locaux parce que déjà, ça n'a pas trop voyagé. Donc pour l'environnement, c'est mieux. Aussi, on sait que c'est vraiment frais. Donc le fermier va couper sa laitue le matin ou la veille. Donc on sait vraiment que ça vient d'être cueilli. Elle a accepté de se prêter à notre petit test. Laquelle a l'air belle ? Celle-là. Elle va acheter une vraie salade au marché et la comparer avec celle de Marc, cultivée sans terre et sans soleil. Combien je vous dois ? 4 dollars. Ok. 4 dollars pour une belle laitue et de la roquette. Les barquettes de salade AeroFarm vendues en supermarché coûtent deux fois plus cher. Mais elles sont déjà préparées et lavées. Moi, ça me dégoûte un peu de savoir que ça n'a pas eu la terre, quoi. Et elle est un peu fade. Hein. Elle n'est pas très verte non plus, la couleur est très différente. Son amie Caroline, une Française installée à New York aussi, n'est guère plus emballée.
Elle a l'air moins fraîche. C'est un peu dur à dire pour elle, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'air si fraîche. Elle n'a pas l'air d'avoir eu le même apport en chlorophylle. Et au goût, surprise. Ça a le goût de roquette, hein. T'as raison, ça a un peu le goût de patate. Ça a le goût d'herbe, moi, je trouve. Non, moi, je trouve qu'il y a un côté un peu vaseux. Et quand on la compare avec la salade du marché, le constat est sans appel. Elle a beaucoup plus de goût. Je trouve qu'il y a plus de nuances, hein. Vous ne trouvez pas qu'elle est plus croquante, celle-là aussi? Ouais. Regarde, si tu... Hop, t'entends le bruit? Est-ce que... Ah ouais. Les salades qui poussent de façon artificielle devront donc encore s'améliorer pour convaincre certains consommateurs comme Anna. Mais pas de quoi freiner la folie des grandeurs de Marco Shima. Salut, ça va? Bien, excellent. C'est excitant de voir tous les progrès. Quand on a vu ce que c'était et qu'on voit là où on en est... Ah, c'est sûr, on n'a pas chômé. Ouais, vous avez bien avancé. À Newark, à quelques kilomètres de la Grosse Pomme, son dernier chantier. Un projet à plus de 40 millions de dollars. La plus grande ferme verticale du monde est en train de sortir de terre. Marc s'y voit déjà. Ici, on va faire pousser jusqu'à 1000 tonnes de salade chaque année. Ça va nous permettre de servir des millions de consommateurs. Ce qui est excitant, c'est qu'on amène la ferme au plus proche du client. Ils pourront manger une production locale. Avant, ce n'était pas possible ici. Et voici ce qu'il va bientôt obtenir. Une exploitation agricole digne d'un film de science-fiction. 6500 mètres carrés au sol remplis d'étagères à salade. 30 hectares. C'est comme si Marc allait semer ses laitues sur l'équivalent de 50 terrains de football. Ici, on va produire des salades jusqu'à 10 mètres de hauteur. Là où je me tiens, il y aura jusqu'à 12 niveaux de culture. C'est excitant de voir toutes les pièces s'assembler. Le toit est déjà là, c'est bien parti. Avec sa méga usine à légumes, Marc produira donc l'année prochaine 3,5 millions de salades. La NASA suit cela de très près. Il paraît que ce système qui réclame très peu d'eau serait idéal pour faire pousser des légumes là-haut, sur Mars. Et au-delà de ces nouveaux produits, on le sait, l'alimentation est aujourd'hui devenue un enjeu pour notre société. Les compléments alimentaires, par exemple. En quelques années, le marché a explosé. Fatigue, stress ou encore sommeil, un Français sur cinq en consomme régulièrement. Ce sont des pilules souvent présentées comme miraculeuses, comme la spiruline ou encore la gelée royale. Mais sont-elles vraiment efficaces? Comment sont-elles fabriquées? Et pourquoi un tel engouement? Enquête signée Elisa Jadot. Chaque année, à la même époque, Karine a sa petite manie. Un petit truc qui l'aide à passer l'hiver, à éviter le coup de pompe. C'est en pharmacie qu'elle le trouve. Parmi les produits vendus sans ordonnance, ce sont des compléments alimentaires. En France, 30% des femmes en consomment au moins 3 fois par semaine. Je connais celui-ci, qui est destiné aux femmes enceintes, que j'ai pris pendant toute ma grossesse. Il est bourré de vitamines et d'oligo-éléments. Après, je connais celui-ci qui est un complément que j'ai eu par mon endocrinologue pour avoir de l'énergie, pour avoir du magnésium et pour éviter les pertes de cheveux. Karine est enseignante. Elle est persuadée que toutes ces pilules l'aident à passer au travers des petits microbes. J'aime bien avoir un complément alimentaire pour éviter d'attraper toutes les petites maladies qui traînent dans mon école. Donc souvent, voilà, je fais une petite cure d'un à 3 mois maximum dans l'année pour tenir le coup. Et ça marche plutôt bien, parce que ça fait quelques années maintenant que je prends ça. Et c'est assez efficace. Je suis assez fan des compléments alimentaires. Elle fait plusieurs cures par an pour rester en forme, préparer sa peau avant l'été et même fortifier ses cheveux. Elle dépense en moyenne 50 euros en compléments alimentaires tous les ans. Ces gélules aux promesses alléchantes, ils s'en vendent de plus en plus. Les compléments alimentaires, c'est un marché énorme. Les Français achètent chaque année pour 1,5 milliard d'euros de gélules à avaler, d'ampoules à boire et de comprimés à croquer. C'est un peu la nouvelle potion magique. Ils servent à raffermir la peau, à retrouver un ventre plat, à partir au travail le sourire aux lèvres. En tout, il existe 45 000 références. On en consomme beaucoup, mais finalement, on ne sait que très peu de choses de tous ces compléments alimentaires, comment ils sont fabriqués, par qui, et s'ils sont réellement efficaces. Enquête sur ces petites pilules qui font surtout le bonheur des laboratoires. Régulièrement,
on voit apparaître des nouveaux produits sur le marché des compléments alimentaires. Cette année, c'est la spiruline qui débarque en force. En Normandie, près de Trouville, Laurent, 36 ans, vend de la spiruline. Et l'homme a un peu tendance à la mettre à toutes les sauces. C'est tellement bon! Plein de vitalité, plein de protéines, de fer, de bêta-carotène. C'est un goût légèrement parfumé, avec un petit peu salé. Moi, mon plat, je le préfère avec que sans. Inconnu il y a quelques années, cette super vitamine séduit les consommateurs. Du coup, Laurent met le paquet sur sa marchandise numéro 1. C'est notre produit 2016. Chez lui, pas de gélules, mais de la spiruline en poudre, en brindilles, et même sous forme de pétales. On importe de la spiruline en commerce équitable de fermes en Inde, au Burkina, au Costa Rica. Donc on a une partie en commerce équitable, une partie avec des fermes françaises. Et du coup, ça nous permet de proposer des spirulines solidaires et des spirulines locales. 15 euros la cure d'un mois pour cette spiruline du Burkina Faso. Mais Laurent produit aussi sa propre spiruline. La sienne coûte un peu plus cher, 22 euros les 100 grammes. Laurent a découvert la spiruline il y a 5 ans, avant qu'elle ne soit à la mode. Il nous emmène là où il la cultive, sous ses drôles de bâches vertes. On a investi de l'ordre de 200 000 euros à peu près. C'est surtout pour pouvoir la cultiver en bio, en produisant nous-mêmes nos engrais d'origine organique. Et demain, de pouvoir proposer une méthode pour que les spiruliniers, les cultivateurs en France, puissent produire de la spiruline qui sera labellisée bio. La spiruline existe depuis 3 milliards d'années. En fait, c'est une algue microscopique. Elle ne pousse que dans les eaux tièdes. Laurent est donc parti étudier en Inde afin de reproduire le processus dans ses bassins normands. Elle pousse par photosynthèse, en fait, grâce au soleil. Donc là, cette nuit, la spiruline est montée en surface et là, on va pouvoir récolter la couche qui flotte. 150 agriculteurs français cultivent la spiruline. Dans la région, Laurent est le premier. Au printemps, il peut en extraire jusqu'à 20 kilos par jour. On a tout. C'est parti pour le pressage. Mais aujourd'hui, son seau n'est qu'à moitié plein. Ok. Donc là, on a combien ? 9 kilos. Petite récolte de fin de saison. Laurent n'en vendra pas 9 kilos, car la spiruline ne peut pas être consommée sous cette forme. Là, on va passer de 10 kilos à 5 kilos, en gros. Sa spiruline va donc subir une petite cure d'amaigrissement pour enlever l'eau. À la fin, il obtient une sorte de mousse. Une pâte que Laurent transforme maintenant en spaghetti. C'est comme ça souvent qu'on peut vraiment détecter si la spiruline elle est faite artisanalement. Là, c'est le moment un peu où on se prend pour des artistes. J'aurais voulu être un artiste. Laurent remet son costume de pizzaiolo et direction le four. La spiruline doit sécher tout doucement pendant 5 heures. Elle n'est pas belle, hein? C'est un séchage qui est à moins de 42 degrés. Le seul moyen de garder les qualités de la petite algue. Et ça permet de conserver autant les qualités nutritionnelles qu'un bon petit goût. C'est un peu comme les tomates, hein. Quand elles sont faites à grande échelle ou quand elles sont faites par le petit maraîcher du coin, elles n'ont pas le même goût et pas les mêmes teneurs. À la fin, il ne reste plus qu'un kilo. C'est 10 fois moins qu'en début de journée. Sa production artisanale demande beaucoup de travail. Alors Laurent vend sa spiruline 220 euros le kilo. Au grenier. Mais les compléments alimentaires peuvent rapporter beaucoup plus d'argent. Surtout quand ce sont les gros laboratoires qui prennent les affaires en main. Dans l'Aveyron, tout près de Rodez, se trouve le numéro 4 des compléments alimentaires. Ici, 75 références fabriquées, 200 employés, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Delphine et Thomas contrôlent toute la chaîne de production et au départ, on se croirait presque chez un marchand de matériaux. On a différents types de produits comme des extraits ou d'autres matières comme des fosses. Ici, on se retrouve avec une matière première qui vaut quelques dizaines d'euros le kilo. Ce sont des probiotiques, une sorte de levure à petit prix utilisée dans des dizaines de produits. On l'achète en poudre à des traders de matières premières en France.
A contrario, on a un produit juste en haut qui est un extrait d'acérola, qui a des propriétés de vitamine C, qu'on peut retrouver à plusieurs centaines d'euros le kilo. Ici, il y a plus de 300 produits différents stockés dans cet entrepôt. Et dans un complément alimentaire, on peut mélanger entre 5 et 25 produits. Delphine et Thomas ont accepté de nous montrer le processus de fabrication. Au menu du jour, préparation d'une gélule de vitamine C à base de fruits et de légumes en poudre. Ici, on peut se retrouver avec de l'oignon, des extraits d'oignon. Là, on est sur de la fibre de pomme. Donc, c'est vraiment la couleur naturelle. Il n'y a pas de colorant dedans. Pour ce comprimé aux vertus énergisantes, le laboratoire utilise 6 matières premières différentes. Les dosages sont extrêmement précis. Ça donne des mélanges de 400 kilos. Combien de gélules à la fin ? Environ 1 million de gélules. Tout dépend, ça peut aller de 800 000 à 1 200 000 suivant les quantités. En moyenne, 1 million. Cela représente seulement 4 mg d'ingrédients par gélule. C'est très peu, mais d'après Thomas, ce serait suffisant pour être efficace. Et voici à quoi ressemblent les comprimés. Ça ne vous rappelle rien ? C'est fait exprès. C'est la forme la plus prisée par notre clientèle. On est dans la même forme que les médicaments. C'est juste le contenant, la poudre qui change. Tous les jours, 15 000 boîtes sortent de cette chaîne. Quant au prix. Donc là, on est vraiment sur une boîte qui coûte entre 17 et 20 euros sur le marché en pharmacie, prix public. D'après nos informations, elle revient 5 fois moins chère à fabriquer. Alors 17 euros pour des vitamines, est-ce vraiment indispensable ? Donc c'est mieux d'acheter des compléments alimentaires que de manger de temps en temps une pomme ? Non, il vaut mieux manger la pomme, bien sûr. Si tout le monde avait une alimentation normale et équilibrée, on ne serait pas là. Sauf qu'aujourd'hui, notre société, on est altéré de par le stress, la pollution, ce qu'on mange. Et donc, on a besoin de se complémenter. 300 laboratoires français fabriquent des compléments alimentaires. Mais vous allez voir que tous ne sont pas aussi transparents sur la provenance de leurs ingrédients. Nous nous sommes intéressés à un produit très en vogue, la gelée royale. C'est l'une des meilleures ventes avec la vitamine C, le magnésium. Les Français ont une très grande confiance dans ce produit naturel. Mais peut-on toujours se fier à ses promesses ? Nous sommes à Touché, un petit village du Cher. Rémi Pellissier, apiculteur depuis 30 ans. Sa spécialité, c'est la production de gelée royale. Un puissant stimulant qu'il conserve avec le plus grand soin. La gelée est très fragile, c'est un produit très fragile, beaucoup plus fragile que le miel. C'est bien de le garder en froid positif, de ne pas la congeler, de ne pas y toucher en fait, ni la congeler, ni la lyophiliser, ni quoi que ce soit. Il faut que ça reste tel que les abeilles l'ont produite. Un demi-gramme par jour de cet élixir suffirait à en ressentir tous les bienfaits. Un kilo de gelée royale. Mais en France, les apiculteurs comme Rémi n'en récoltent que de très faibles quantités. Du coup, leur gelée royale est devenue un produit de luxe. Ça vaut généralement, pour le consommateur, entre 20 et 25 euros. 25 euros les 10 grammes, c'est aussi cher que le caviar. Si son prix est si élevé, c'est parce que cette gelée est très compliquée à recueillir. Alors, c'est un cadre avec des œufs qui sont en train d'éclore. Donc, c'est la première étape de la production de gelée royale. Les abeilles fabriquent la gelée royale du miel puissance 100 pour nourrir les futures reines. Elles vivent ainsi 40 fois plus longtemps que leurs congénères. Et voici où se trouve exactement la gelée royale. Elles sont sur l'ensemble de cette zone centrale du cadre. Autour, on a des provisions de miel, de pollen, donc du nectar et du pollen, qui sont les deux éléments dont les abeilles ont besoin pour produire la gelée royale. Au printemps, la saison des récoltes, Rémi transvase les larves du cadre vers des cellules d'élevage. 3 jours plus tard, les abeilles ouvrières y auront déposé de la gelée royale. Et dans chacune de ces cellules, il y aura à peu près 1,5 g, entre 0,3 et 0,6 grammes par cellule. Ce qui va nous faire, au bout du compte, une trentaine de grammes de gelée royale par colonie. Une toute petite récolte pour un travail fastidieux, car une fois la gelée extraite, Rémi doit recommencer pour en obtenir une nouvelle. Il doit tenir le rythme pendant plus de 2 mois. Une vingtaine d'heures par jour de production,
deux fois par semaine pendant, pendant 10 semaines. Faites le calcul. 400 heures de travail pour seulement 60 kilos de gelée royale par an. C'est 50 fois moins que le miel. La production française représente 2 tonnes de gelée royale. Pourtant, on en consomme 100 tonnes par an. Alors, d'où vient la gelée royale ? Rémi Pélissier et les autres producteurs français ont fait analyser plus de 50 échantillons. Les résultats sont édifiants. 98% des gelées royales seraient importées d'Asie. Problème, ce n'est jamais écrit sur les étiquettes. Eh bien, malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, elles ne disent rien. C'est très probablement donc chinois. En France, inscrire l'origine n'est pas obligatoire. Rémi pense que si les laboratoires n'indiquent pas la provenance, c'est pour ne pas effrayer le consommateur. Car il y a de fortes chances que cette gelée royale chinoise ait été congelée pendant le transport, ce qui changerait ses propriétés. Bah, on sait que quand même la congélation, surtout par rapport aux vitamines, ça peut les altérer. J'ai bien peur que dans le produit, au final, il n'y ait plus grand-chose d'intéressant. Si on regarde celui-ci, on achète de l'eau, du sucre, du sirop de glucose et puis un arôme naturel d'orange. C'est beaucoup moins cher, mais on ne parle pas du même produit en fait. Cela ne se voit pas forcément vu les prix pratiqués par les industriels. Mais la gelée royale chinoise a un autre intérêt. Elle coûterait 25 euros le kilo, 100 fois moins que la française. Nous avons contacté les laboratoires concernés. Le premier confirme importer de la gelée royale chinoise. Donc, le fournisseur d'actifs naturels, de plus en plus, les Chinois sont également sont présents sur le marché. On peut supposer que le produit dans sa forme fraîche est nettement préférable à un produit industriel. Mais les laboratoires se gardent bien d'indiquer le pays d'origine, car les produits chinois ne véhiculent pas toujours une bonne image. D'ailleurs, lorsque nous interrogeons le leader sur le marché des compléments alimentaires, impossible d'obtenir la moindre réponse. Nous considérons le sourcing de la gelée royale comme une donnée sensible et confidentielle. Nous ne souhaitons pas divulguer d'informations à ce sujet. Cela fait 4 ans que Rémi et les autres producteurs de gelée royale militent pour spécifier la provenance des produits sur les boîtes. Pour l'instant, sans succès. Chaque année, l'administration française contrôle plusieurs centaines de compléments alimentaires. Publicité mensongère, étiquettes erronées. En France, un complément alimentaire sur 10 présenterait des anomalies. Et ce que nous venons de découvrir n'est sans doute qu'un début, car on estime qu'en 2050, 70% de la population mondiale vivra en milieu urbain. La semaine prochaine, changement d'univers. À quelques jours de la COP21, on s'intéressera à ces initiatives qui annoncent peut-être la fin du grand gaspillage. Plastique, déchets en tout genre ou encore produits alimentaires, le recyclage à tous les étages, ce sera samedi prochain, 14h40, dans Tout compte fait. Merci de votre fidélité et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.